Andy, I'm home. Jack Torrance, un écrivain en panne d'inspiration, l'Overlook, un grand hôtel isolé aux confins des montagnes rocheuses du Colorado, et de longues, très longues, trop longues journées d'hiver, d'isolement, de neige, de confinement. Aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des plus grands classiques du film d'horreur, The Shining de Stanley Kubrick marche sur les traces d'autres incontournables du cinéma, Rosemary's Baby, ou encore l'exorciste, on y retrouve le lieu isolé ou hanté, le personnage central prêt à tuer les siens, et cet enchevêtrement inexplicable de perceptions extrasensorielles. Mais surtout, on y retrouve un Jack Nicholson habité, envoûté, effrayant de justesse dans la peau d'un homme qui, à force d'être enfermé, perd peu à peu pied jusqu'à s'armer d'une hache et nous lâcher ce Here's Johnny, entré depuis dans la légende. Here's Johnny! La minute touche à sa fin. Pour nous suivre sur Facebook, YouTube, Insta et les autres et partager toujours et encore plus notre cinéma d'hier à aujourd'hui, un simple hashtag Tout mon cinéma suffit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, noter, commenter.